Bienvenue à Fairhaven, la ville où vous trouverez les courses de rue les plus intenses de la planète. 10 pilotes d'exception sèment la police sans relâche pour dominer les rues de la ville au volant des meilleures voitures. Ce sont les Most Wanted. Pour rejoindre cette élite, il faut gagner le droit de l'affronter. Battez-les tous et vous serez le pilote numéro 1, le Most Wanted de Fairhaven. Et pour ça, il vous faudra des voitures. Beaucoup de voitures. Les plus belles voitures du monde sont disséminées à travers la ville. Chaque voiture que vous trouvez peut être conduite. Il vous suffit de retrouver leur point d'échange avant de vous glisser au volant. Suivez l'itinéraire menant à votre première voiture. Allez-y, c'est maintenant. Hey, salut tout le monde, c'est Galaxy et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo découverte de Need for Speed Most Wanted, version 2012 et non la version 2005, qui était certes excellente, mais là, c'est vraiment une version haute définition et un reboot de l'opus sorti en 2005. Et donc, on se retrouve pour Need for Speed Most Wanted, version 2012, un jeu édité par Electronic Arts, développé par Criterion Studios. C'est un jeu de course, il sort en France le 31 octobre 2012 et il est également disponible sur PC, PS3, PS Vita, iPhone, Android et enfin iPad, donc grippin, toute la sauce de tous les supports possibles et imaginables. Oula, le drift! Hop, attention, oh, je rentre dans les véhicules. Donc on va essayer de se faire un petit peu au gameplay du jeu, qui est, il faut le dire, pour l'instant très arcade. Et c'est ça qu'on aime, je rentre dans tous les trucs qu'il y a. On va essayer de pas rentrer dans la voiture juste devant. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la série Need for Speed possède une conduite arcade depuis le début, et c'est ça qu'on apprécie. Coup de clé 12, premier succès déverrouillé, 5 points. Première voiture. Il en reste beaucoup d'autres. Cherchez les voitures surmontées d'un signe. Appuyez pour faire l'échange. D'accord, donc on peut échanger sa voiture à tout moment en faisant un échange. Et ça, nouveauté par rapport aux anciens épisodes de Need for Speed. À chaque voiture que vous trouvez correspond une série de courses. Vous pourrez y accéder grâce à Easy Drive. Définir destination permet de trouver votre première course. L'itinéraire jusqu'à la ligne de départ apparaîtra sur la carte. Suivez-la. Ok, bon bah personnellement je pense qu'il n'y a pas besoin de vous en dire plus, je pense que la voice, vous dites simplement ce qu'il faut faire au début du jeu, il vous explique bien les commandes, etc. Donc je n'ai rien besoin de vous expliquer. Pour commencer, accédez au checkpoint et faites patiner vos pneus. D'accord, donc il suffit de faire patiner nos pneus au checkpoint pour débuter la course, c'est-à-dire avec la gâchette LT et RT, en tout cas pour la manette Xbox 360. En tout cas, moi je suis super content de vous faire une vidéo sur ce Most Wanted. Donc je sais que déjà beaucoup de personnes ont fait une vidéo dessus, donc je l'ai pas en exclu cette fois-ci, même si je réussis quand même à vous sortir un jour avant la sortie, mais voilà, je suis pas le premier à l'avoir eu. Là, attention, deuxième position, distance 4 km. Ok, donc là on est que deux sur la course, c'est impeccable, je vais le bouffer, on est parti mec, checkpoint. Donc c'est une course très classique apparemment avec les checkpoints. Alors un point à dire déjà sur la réalisation, c'est que c'est quand même assez joli. Il faut l'avouer, c'est assez joli. Et évidemment, comme d'habitude, c'est le moteur Frostbite 2, utilisé également sur Battlefield 3 ou Medal of Honor Warfighter. Donc vous avez pu voir mes vidéos sur Medal of Honor, donc qui sont très récentes. Et c'est le même moteur que Battlefield 3 ou Medal of Honor. Donc, on le reconnaît bien, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des textures, etc. Hélas, à chaque fois sur console, dès qu'on a acquis ce moteur dans un jeu vidéo, hélas, oula, accident. On a quand même quelques faiblesses techniques. En tout cas, je parle sur console. Sur PC, ça n'a rien à voir, le jeu est époustouflant. Donc, tous les jeux... Attendez. Hello, my mind. Oh, c'est la musique des experts à Miami, c'est énorme. J'adore. Franchement, alors la musique, pour l'instant, je kiffe. Voilà. Checkpoint. Donc, en tout cas, oui, je disais, sur PC, le jeu est juste magnifique. J'ai pas pu le tester, mais j'ai pu regarder des vidéos. Et donc, il est clair que le jeu sur PC déboîte comme un Battlefield 3 ou comme un Medal of Honor Warfighter. Comparé à la console, justement, qui possède quelques faiblesses techniques, un peu d'aliasing, un peu de sentiment. Mais pas non plus de quoi fouetter un chat, il faut le dire. Parce que c'est vrai que le jeu reste quand même très très beau au niveau du reste. Certes, techniquement, ce n'est pas le plus beau jeu. Si on peut le comparer par exemple à un jeu qui est sorti récemment, à un Forza Horizon, pour ne citer que lui, qui techniquement
est juste impeccable, il n'y a pas de défaut hein, sur Forza Horizon. Alors il est très très rare que je dise qu'il n'y a aucun défaut au niveau des graphismes, mais il est vrai que sur Forza Horizon, il n'y a franchement aucun défaut. Donc oui, la personnalisation... Les points vous font progresser dans la liste Most Wanted. Pour en gagner, participer à des courses, défoncer des panneaux d'affichage ou des grilles de sécurité, faites-vous flasher par les radars ou semer la police. Autolog enregistre tous vos speed points. Plus vous en aurez, plus vous vous rapprocherez d'un défi face au pilote Most Wanted et plus vous dominerez vos amis. D'accord. Oui, donc j'ai l'impression que les développeurs Criterion Studio ont quand même cherchent vous quand même à savoir où vous en êtes. Avec Attendez, Drive, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Vous trouvez tous les défis disponibles dans la ville. À vous de décider dans quel ordre les réaliser. Oui, ben je suis au courant. C'est à moi de voir. Donc là, on a accès à l'Easy Drive. Donc c'est nouveau, voilà c'est nouveau, on l'avait pas vu encore. Et c'est un menu vraiment très pratique en direct, hein, j'ai envie de dire, puisqu'il nous permet justement d'avoir accès à différentes catégories et de choisir ce que l'on veut. Par exemple ici, de choisir sa route, de activer le GPS et on voit la distance en haut à gauche de votre écran. C'est à 4,1 km. Franchement, regardez la modélisation des voitures, c'est beau. Hop, ah, il y a une Aston Martin là. Attention, moi je la prends. Et oui, et à tout moment, quand on trouve une voiture sur les bords de la route, on peut la prendre. Et la voiture va justement s'intégrer dans notre menu Easy Drive ensuite, et on pourra à tout moment changer de voiture. Et ça, c'est un peu futuriste. C'est un peu futuriste, mais c'est vraiment bien mis en place. Et c'est très fun. Voilà, c'est très fun parce que justement, les jeux Need for Speed sont arcades et sont fun. Et il ne faut pas chercher à faire un jeu de simulation. Et donc là, c'est clairement un peu fantastique, hein, le coup du menu où on peut directement changer de voiture. En gros, on se téléporte, quoi. Mais c'est quand même assez bien fichu. Vous avez pu voir ensuite, après, qu'il y a des sortes d'ateliers ici, regardez. Je dirais pas de pompe à essence, mais d'ateliers qui nous permettent de changer la couleur de la voiture et de réparer les dégâts. Donc ça, c'est franchement sympathique. Dans quel autre jeu on avait ça? Je me rappelle d'avoir eu ça dans d'autres jeux. Et donc, comme d'habitude, Need for Speed Most Wanted, c'est un jeu de course, bien entendu, qui va offrir la possibilité de défier les forces de l'ordre à travers diverses courses-poursuites. Et oui, parce que les poursuites sont revenues au goût du jour sur console HD depuis l'opus Haute Poursuite, justement, qui avait repris le même nom qu'un ancien épisode de la série. Et là, c'est un petit peu pareil, ce Most Wanted reprend le nom de l'opus de 2005. Et donc, c'est une bonne idée, hein, c'est un coup de pub assez bon. Voilà. On est parti. Alors, petite chose à dire, c'est qu'à chaque début de course, avant de commencer la course, il nous met une petite séquence. Alors c'est un petit peu bizarre, faut bien l'avouer, des fois c'est un peu zarbi, hein, il faut l'avouer. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être assez classe, même si, il faut l'avouer, c'est un peu dommage que c'est vachement compressé au niveau de la taille de l'image. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis deux bandes noires sur les côtés, quoi, voire quatre. Parce que vous avez pu voir sur l'introduction du jeu, au tout début, sur le générique, il y avait quatre bandes noires sur les côtés. J'ai pas compris pourquoi ils nous ont pas mis une image complète en plein écran. Alors ça, par contre, il faudrait m'expliquer. Mais bon, bref, c'est pas non plus ce qui va gêner les joueurs, puisque quand on joue un Need for Speed, c'est pour s'éclater, tout simplement. Ensuite, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bah évidemment, le but est toujours de collectionner les infractions, hein, parce que c'est un Need for Speed. De toute façon, c'est des poursuites, voilà, c'est tout. Et il faudra évidemment essayer quand même de larguer la police pendant les poursuites, hein, ce qui est le but principal à la base de la série. Et le but sera de devenir, bien entendu, le conducteur le plus recherché de la ville. Et on pourra avoir plusieurs sortes de voitures, hein, comme des voitures de sport, des supercars, des muscles cars. Et un environnement, évidemment, qui est entièrement ouvert. Hein, et ça, on peut le voir, c'est entièrement ouvert. Alors, on aura de la ville, on aura de la campagne, on aura vraiment de tout. Et c'est ça qu'on apprécie, justement. Oulala, cinquième position, là on est chaud. Allez, donc on est toujours dans les 5 premiers, donc c'est déjà pas mal. Donc vous pouvez voir en bas, au niveau de l'affichage, en bas à gauche, j'avais le radar, donc votre carte pour vous montrer un petit peu où c'est qu'il faut aller. Donc c'est la route qui est en vert. Vous avez l'affichage en bas à droite de votre écran, les kilomètres-heure, donc voilà, très classique. Hein. Et enfin, le temps que vous réalisez en haut à droite. Alors comme d'habitude, vu que c'est un jeu développé par Criterion, bien entendu, il y a un petit peu de sauce Burnout. Justement, puisque Burnout était le roi et l'inventeur des takedowns, par exemple. Donc les takedowns sont mis en place depuis Burnout 3
Takedown, qui porte justement ce même nom, et donc c'est quelque chose de très sympa. Pourquoi ? Parce que quand vous allez percuter votre adversaire, mais ça je pense que tout le monde connaît un petit peu la série Burnout, quand vous allez percuter votre adversaire, eh bien ça va l'envoyer sur le côté, et ça va tout simplement l'exploser. Et ça c'est bon. Et ça va vous rapporter par la suite du jeu du boost, ce qui est logique. Donc vous avez pu voir que j'ai gagné un boost nitro, oh ça va bien, un boost nitro, et au fur et à mesure que l'on fait les courses dans le jeu, eh bien on va acquérir des choses. Oh là j'ai vu une voiture là-bas. Eh bien au fur et à mesure que l'on parcourt le jeu et les courses, on va acquérir justement du boost, des nouveaux pneus, plein de choses. Et ça aussi, ça fait la part belle justement aux petits gadgets dans ce Need for Speed Most Wanted nouvelle génération, c'est justement que en temps réel, on pourrait par exemple changer les pneus. Et donc imaginez quand même du style pour éviter une ER sans changer les pneus et tout, c'est superbe quoi. Regardez-moi ça, c'est quand même assez beau, même si on reconnaît qu'il y a quelques faiblesses techniques, mais le reste du jeu reste quand même excellent, c'est un vrai univers quoi. Et c'est franchement super beau à découvrir je trouve. Après bien entendu qu'il y a des défauts, tout jeu ont des défauts, mais alors, quelle qualité, c'est quand même de la qualité quoi, il faut le dire. Moi qui ai terminé Need for Speed The Run, alors que c'était pris quand même, il faut le dire, des notes pas très folichonnes. Oula, attendez, où je vais moi? D'accord, je savais même pas où j'allais, c'est magnifique. Comme Need for Speed The Run, qui était pas un Need for Speed à monde ouvert, mais qui était quand même assez vaste, on pouvait le parcourir en tout cas dans le mode solo. Il est vrai que c'était assez vaste, mais c'était quand même assez fermé vu qu'on pouvait pas se balader comme on voulait. Alors il y avait un petit scénario, mais qui était franchement assez pourrave, il faut le dire. Mais c'était quand même assez entraînant. Voilà. Et moi, personnellement, j'avais adoré Need for Speed The Run. Il est vrai que beaucoup de personnes l'avaient pas aimé du tout. Mais moi, je l'ai fini, je l'ai bouffé. J'ai fini le solo et j'ai franchement adoré. J'avais même fait du mode multi. Et là, force est de constater qu'au niveau du gameplay, ça ne revient pas celui-ci, le Most Wanted 2012, à l'ancien Most Wanted, le tout premier de 2005. Ça reste quand même un jeu qui vit avec son époque, d'une génération HD, c'est-à-dire qu'on ressent bien quand même cet aspect multijoueur, puisque vous pouvez voir, on a quand même des, par exemple, à quelques endroits des radars, vous avez plein d'objectifs annexes, et vous serez comparé forcément à vos amis. Donc pareil, le mode en ligne sera très important, je pense, dans ce Need for Speed. Et je pense que de plus en plus, de toute façon, en général, dans les jeux vidéo, que ce soit les jeux de foot, les jeux de course, même tous les jeux FPS, je pense que vraiment, les jeux seront, dans le futur, beaucoup plus basés sur le multijoueur. Et c'est déjà beaucoup le cas. Mais il est vrai que là, c'est franchement, pour moi, un très bon jeu. Après, si on peut le comparer, bien sûr qu'on peut le comparer à Forza Horizon. Mais c'est pas vraiment le même type de jeu. Forza Horizon, d'ailleurs, vous avez pu remarquer que je vous avais pas fait de vidéo sur le jeu complet. Tout simplement parce que je vous avais fait la vidéo découverte sur la démo. Et donc, j'ai pas vu l'utilité de vous faire une vidéo sur le jeu complet. Pourtant, je l'ai, hein, mais je sais pas pourquoi je vous ai pas fait une vidéo. Ça m'a pas attiré. Et donc, peut-être que je vous en ferai une dans les prochains jours. Mais une vidéo où je serai un peu plus avancé, que j'aurai fait quelques courses, hein, quand même. Bon, pas non plus à la moitié du jeu, mais je veux dire, où j'aurai fait quelques courses. Oh là 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 là, c'était chaud. Donc en tout cas oui, toujours une vitesse, magnifique accident. Toujours une vitesse assez incroyable, puisque pareil dans Need for Speed The Run, c'était vraiment très impressionnant au niveau de la sensation de vitesse, et franchement j'adore. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que le moteur Frostbite 2 nous fait profiter quand même, et ça a toujours été le cas même depuis Battlefield 3, nous fait toujours profiter justement des effets de lumière que je trouve qui sont très bien réussis. Les faiblesses techniques du jeu quoi. Fuyez ou cachez-vous pour lui échapper. D'accord, donc là on avait entamé une scène poursuite, mais j'ai vite échappé, tout simplement parce que j'allais très vite. Et puis attendez, j'ai une Lamborghini quand même, c'est pas de la merde, hein. Lamborghini Gallardo, une voiture que j'adore d'ailleurs. Allez, donc on va faire la prochaine course par contre. Mais il est vrai que je ne sais pas vous, mais moi la série Need for Speed, c'est quand même, on va dire, une série ancrée dans ma mémoire, en tout cas pour les épisodes PlayStation 2. Je ne parle pas des tout premiers Hot Pursuit, Pursuit Infernal et tout. Je parle vraiment des Need for Speed Underground 1, Underground 2, Most Wanted. Bon, Carbon était un peu moins bon, en tout cas pour ma part. Mais en tout cas, au moins pour Underground 1, 2 et Most Wanted, franchement, fallait les posséder. Après, plus récemment, on va dire, on avait eu le reboot Hot Pursuit, enfin c'était pas un reboot, c'était un épisode HD, mais qui avait pris le même nom justement de Hot Pursuit, le premier du nom. Et ben Hot Pursuit avait quand même redonné un petit coup de frais à la série.
puisqu'il nous proposait vraiment de revenir aux bases, entre parenthèses, à Need for Speed avec la pause des airs, les courses poursuites, on infliquait, c'est ça commence. On se mettait dans la peau soit des... Oh non ! Ah, j'ai chaud là. On se mettait soit dans la peau du... En gros, du chauffard fou qui allait super vite sur la route, ou du flic donc qui recherchait le chauffard. Mais c'est pas vrai ça, mais c'est quoi ce délire là? Qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, en tout cas, c'est sûr que la série Need for Speed, pour moi, c'est l'une des séries de voitures que je retiens de ma vie de gamer, ça c'est clair. Et là, mais c'est pas possible! Faudrait que je retourne à droite, parce que là franchement c'est hallucinant comme je me fais rentrer dedans, et c'est le cas de le dire. Donc apparemment, à ce que je vois, on pourrait récupérer des... Un petit peu comme Burnout Paradise, sorti en 2008, je crois, si je ne m'abuse, ou peut-être après, je ne sais même plus, je veux pas dire de bêtises non plus. Et ben Burnout Paradise, on pouvait, pareil, casser des... Mais c'est pas possible, regardez, il va tout doucement, il arrive et il me rentre dedans et boum, accident. C'est énervant. Dans Burnout Paradise, on pouvait rentrer, percuter des panneaux. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil, ça a été mis en place. En même temps, vous allez me dire... C'est les mêmes développeurs, c'est Criterion, donc logiquement, on doit quand même avoir quelques ressemblances. Ah, oh, une Lamborghini jaune, ça fait plaisir, on revient quand même à la couleur de base d'une Lamborghini Gallardo. Ça fait très très plaisir, en plus elle est vraiment très classe, regardez-moi ça. My God. Et en tout cas, nul besoin de spécifier que les voitures sont quand même très très bien rendues, et ça c'est clair. Et on peut pas dire le contraire quoi, en tout cas les voitures sont très très bien rendues. En tout cas, une modélisation du tonnerre. Allez, nouvelle course. Toujours une petite mise en scène avant de commencer la course. Bon, encore avec les deux barres noires en haut et en bas. C'est assez étrange, je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça. C'est un petit peu dommage, ils auraient dû le laisser en plein écran, quoi. Je sais pas. Attendez, c'est là qu'il faudra pas passer. Ou... Ça me tourne la tête, bon Dieu. Allez, on est parti. Alors en tout cas, il faut spécifier quand même le point. Un point, c'est que tout simplement, il y a quelques fois, j'ai pu remarquer, vous avez pu voir donc avant qu'on commence la course, là juste avant, et pendant la course, parfois, je dis bien parfois, hein, pas tout le temps, on a quelques chutes de framerate. Framerate, j'aime bien le dire à la version anglaise. Quelques chutes de FPS donc, et c'est un petit peu chiant, on va dire, au niveau de la réalisation, ça enlève encore quelques points, mais c'est pas possible. Ah vas-y, t'as qu'à rentrer dedans, je te dirai rien toi. Et oui, donc quelques chutes de framerate à signaler, mais bon, ce n'est pas non plus trop gênant. Je suppose que sur PC, il n'y en aura aucune. Bon, je dis pas par là que la version PC est parfaite, hein, sinon le jeu aurait 20. Mais je veux dire... Oula, ah zut, j'ai voulu... Oh, merde, j'ai pas pris la bonne route. Attendez, est-ce que je peux récupérer l'autoroute par là? Oui, je peux récupérer la voie rapide apparemment. C'est bon, impeccable. Yeah. Alors en tout cas, un point à signaler également, c'est que l'affichage qui est mis justement sur l'écran, au niveau des voitures, au niveau des radars et tout, c'est vraiment très bien fichu et s'intègre vraiment très bien dans l'affichage du jeu. C'est vraiment pas surchargé. Et ça, c'est quelque chose que l'on apprécie toujours dans un jeu vidéo. C'est ce que j'avais fait justement le reproche par exemple sur un PES. Alors, rien à voir au niveau du type de jeu, mais PES avait un affichage trop surchargé pour moi, comparé à un FIFA par exemple. Bon, retour sur le jeu de course Need for Speed Most Wanted. Allez, radar 211 km/h, checkpoint. Allez, alors là, on fait bien attention. Donc, comme d'habitude, on dirige hein, avec le stick. On accélère avec les gâchettes, on freine avec la gâchette gauche. On dérape avec X. Voilà, donc pas de souci. Le drift se fait très facilement. Par contre, il faut faire attention parce que si on appuie juste une fois, ça va déraper un petit peu. Mais vous risquez d'aller dans le mur. Donc, je vous conseille de maintenir un tout petit peu la touche quand même. Sinon, vous allez déraper, mais vraiment très très peu. Et comme d'habitude, évidemment, vous pouvez voir que je suis 11ème de la liste, donc je ne suis pas rentré dans le top 10 des Most Wanted. Et donc, comme d'habitude, le but va être, comme je vous l'ai dit précédemment, de devenir le conducteur le plus recherché de la map, de la ville. Et donc, il va falloir se faire. Et justement, pour ça, il va falloir faire des courses. Et combien vous allez avoir de courses? Eh bien, vous allez avoir exactement, si je ne m'abuse, 5 courses par véhicule. Et donc, c'est déjà... pas trop mal en sachant qu'il va y avoir énormément de véhicules dans le jeu. Évidemment, nul besoin de préciser que c'est tous des gros bolides. Bon, certes, on peut avoir parfois des voitures un petit peu plus, on va dire, classiques comme des Lancia ou des choses comme ça. Mais quand on voit des Lamborghini, quand on voit, je sais pas, des Mercedes, on se dit quand même, il y a des grosses voitures. Voilà, et principalement, c'est composé de gros bolides. Allez, donc vous pouvez voir, regardez, 5 courses. Voilà, on a 5 courses par véhicule. Donc, c'est pas mal.
Ça peut paraître peu, mais il faut se dire une chose, c'est que c'est 5, mais par véhicule. Donc imaginez quand même combien de véhicules il y a dans le jeu. Là déjà, on a dû en voir au moins 10 là sur la map, hein, des véhicules. Donc 5 x 10, 50 courses. Rien que ça. Et donc je vous dis, le temps de parcourir la map, qui est je ne sais plus combien de fois plus grand qu'un Burnout Paradise, pour ne citer que lui, eh ben, on peut s'attendre à une grosse durée de vie tout de même, quoi. Tout de même. Ça y est, j'arrive plus à parler. C'est magnifique. Accident. D'accord, il y a un véhicule, je le rentre dedans, normal, quoi. Ouais, super. Donc voilà, en tout cas, on se balade un petit peu, on fait un petit peu le tour des Need for Speed de ce jeu, de cet opus, qui est pour l'instant très agréable. Et je pense que c'est le mot agréable, hein, qu'il faut retenir de ce Most Wanted version HD, version 2012. C'est vraiment qu'il est fun, il est arcade, il se joue bien directement, on a une prise en main directe. C'est vraiment superbe, quoi. Puis les menus, franchement, sont très simples d'utilisation. J'avais un petit peu peur sur la commande du Easy Drive, mais il faut bien avouer que c'est très très simple, et en plus on peut le faire en temps réel. Et ça, ça ouvre plusieurs perspectives, que ce soit au niveau, par exemple, quand les flics vont vous poser des herses, par exemple, on va installer de nouveaux pneus, ou des choses comme ça. Quand on passe en tout terrain, pareil, on va changer les pneus d'origine, et on va mettre des pneus tout terrain, ou des choses comme ça, quoi. Et donc ça ouvre quand même beaucoup de perspectives dans le jeu. Donc plusieurs types de courses apparemment, courses-circuit, embuscade, etc. Donc je ne sais pas à quoi correspondent ces modes de jeu, je ne sais pas ce que ça change. De toute façon ce n'est qu'une découverte donc on ne va pas pouvoir tout voir ici. Mais je vous présenterai sûrement une vidéo détente par la suite sur le jeu. Parce que là par contre soyez certains que ce Need for Speed, je vais y jouer un petit peu. Alors je vous garantis rien par contre pour le Forza Horizon qui lui, on va dire, m'a légèrement déçu. Même s'il est très très bon, hein, c'est un très bon jeu de course qui change un petit peu de la série Forza Motorsport, en tout cas au niveau de la simulation. C'est vrai que c'est beaucoup plus arcade que Forza Motorsport. Et donc Forza Horizon, j'aime bien si vous voulez, mais il y a un aspect que je n'aime pas spécialement dans le jeu, c'est l'aspect, on va dire, un petit peu ado. Voilà, aspect ado, boutonneux, voilà, un peu mix, je sais pas, fêtard. Ça c'est un truc que j'aime pas trop, voilà, après chacun son truc, chacun son état d'esprit. Moi il est vrai que Forza Horizon m'a déplu juste sur ce point, parce que sinon tout le reste, bon certes c'est pas révolutionnaire, mais il y a des graphismes qui sont juste impeccables, hein, il n'y a pas de défaut sur les graphismes, techniquement impeccables. Voilà, tout le reste est très intéressant dans le jeu, malgré le fait qu'il y a un certain manque personnellement d'identité je trouve. Mais sinon, et après c'est vrai qu'au niveau... Au niveau de ce Need for Speed, c'est un peu différent. Voilà, même si les deux jeux sont un monde ouvert, celui-ci, je trouve, est beaucoup plus fun. Voilà. Par contre, un petit défaut à constater, hein, et ça, on le constate tout de même, et c'est un point qui est très important en 2012, et maintenant dans les jeux de course en général, c'est qu'il n'y a pas de vue intérieure. Ah là là, il n'y a pas de vue intérieure. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que profiter de la vue intérieure dans un jeu de course, de nos jours, c'est très important. Et c'est ce qui risque, justement, de décevoir beaucoup de gamers. Parce que beaucoup de gens, quand ils jouent à un jeu de course, jouent avec un volant. Que ce soit un G25, un G27, un Logitech, je sais pas, plein d'autres volants, n'importe lequel, un volant Porsche. Et justement, nous n'avons pas de vue intérieure, et c'est dommage, puisque nous avons la vue comme ceci, extérieure de la voiture. Nous avons la vue, on va dire, ras de la route. Et bah, qui est présent dans tous les jeux de course depuis longtemps, et c'est quand même un petit peu dommage. C'est vraiment qu'on n'a pas la vue intérieure qui est intégrée. Mais bon, on va passer sur ce petit point négatif du jeu, et on va continuer dans notre petite escapade dans ce Need for Speed Most Wanted. Mais en tout cas, c'est vrai que la vue intérieure manque à l'appel, et c'est un petit peu dommage. Ouais. Ouais, nouvelle poursuite. Il m'a retrouvé. Et donc il faut faire attention parce que notre niveau de poursuite, notre niveau de recherche peut augmenter dans le jeu évidemment, tel un GTA ou un Need for Speed, hein, parce que quand même GTA Need for Speed était avant GTA, si je dis pas de bêtises. Ou alors vous pouvez me rectifier si je dis une bêtise, ça se trouve je dis une grosse connerie, ça se trouve GTA était avant, je veux pas dire de grosses conneries, mais je pense que Need for Speed était quand même avant. Voilà, en tout cas je pense. Oui, donc en tout cas au niveau des radios, c'est sympa. Voilà, on avait vu au début de la vidéo une musique Les Experts à Miami, c'était franchement super. Bon bref, je vais pas chanter parce que sinon ça va craindre, en plus je connais pas les paroles, donc voilà. Allez, on va passer ici pour se refaire un petit peu une petite beauté de la Lamborghini Gallardo en version jaune. On est passé du gris au jaune. Moi je préfère le jaune quand même, je trouve que ça fait un petit peu plus classe. C'est la couleur d'origine de la Gallardo justement, donc en général la Lamborghini elle est en jaune. Donc voilà.
Allez, donc dernière course de cette vidéo découverte, en tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de vous présenter ce Need for Speed Most Wanted qui est édité par Electronic Arts, bien entendu, développé par Criterion Studio. C'est un jeu de course, il sortira en France le 31 octobre 2012 et il sera également disponible sur tous les supports imaginables comme le PC, PS3, Vita, iPhone, Android et iPad. Je sais pas ce qu'il donne sur Android, vu que moi j'ai un Android, faudrait que je le teste pour pouvoir, mais bien sûr ça doit pas être du tout pareil. Et je ne pourrais pas vous faire une vidéo sur Android parce que je ne sais pas capturer l'écran. Et puis bon, je pense que c'est plus intéressant de faire des vidéos sur la HD. Donc en tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo. En tout cas, je vais essayer de finir la course moi-même et je vous laisse apprécier un petit peu l'ambiance du jeu à travers cette course, un pur gameplay pour terminer la vidéo. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.